Et suite du séjour malien du ministre burkinabé en charge de la culture, séjour au cours duquel le Burkina et le Mali, à travers un protocole, se sont engagés à hisser haut les cultures des deux pays. L'instant a été immortalisé pour nous par nos envoyés spéciaux à Bamako, Ciel Assina Ouattara et Caroline Ouari. C'est le jardin du Musée national du Mali que les premiers responsables des départements ministériels en charge de la culture et du tourisme choisissent pour signer le protocole qui lie désormais le Burkina et le Mali en matière de culture, de tourisme et des arts. Le maître de cérémonie de la soirée, en la personne du directeur général en charge de la cinématographie du Mali, n'oubliera pas de le souligner, c'est l'amitié entre deux peuples que l'on célèbre. Des propos que vient appuyer le patron du département ministériel en charge de la culture et du tourisme du Mali. Je voudrais vous réitérer, mesdames et messieurs, la reconnaissance du gouvernement malien pour avoir été au rendez-vous, mais surtout pour avoir tenu haut le flambeau du Mali. Merci beaucoup pour votre participation. Donc votre frère, le ministre Ouédraogo, est à Bamako pour traduire la reconnaissance des autorités du Burkina Faso. Vous comprendrez que cette visite est pour nous un grand honneur. Je voudrais très sincèrement remercier mon frère Ouédraogo et à travers lui, le gouvernement du Burkina Faso. L'émissaire du Burkina, celui en l'honneur duquel le Mali dresse ses tables, n'aura de cesse de reconnaître et saluer ses égards, puis de rappeler l'objet de la visite que sa délégation et lui effectuent auprès des autorités maliennes. Toutes ces marques d'attention manifestées depuis notre arrivée ici chez nous, à Bamako, nous confortent davantage que ensemble, nous allons bouger des montagnes. Nous avons ici ce soir de braves dames et de braves hommes passionnés de la culture. Je pense que vous avez utilisé le terme de communauté du monde de la culture. Je pense que le terme n'est pas galvaudé. Le directeur général de la cinématographie l'a dit. Au-delà du cinéma, on a toutes les formes d'expression culturelle ici ce soir. Et il nous revient ensemble de travailler à hisser le secteur de la culture de nos deux pays à un niveau jamais atteint. La signature du mémorandum se fait en présence également de figures de proue du cinéma malien. La présence à cette soirée du représentant de la Fédération des cinéastes et du double lauréat de l'étalon d'or de Nyenenga, le doyen Souleymane Cissé, se signale.